cafés sont là pour sont pour nous l'occasion de réunir des personnes autour d'une thématique écologique, solidaire ou démocratique, pour qu'on réfléchisse tous ensemble sur les manières d'agir à notre échelle. Donc l'objectif, c'est de créer un temps d'échange pour que chacun puisse nourrir les autres de ses savoirs et de ses expériences. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de trouver des solutions concrètes à mettre en place dès maintenant, à notre niveau, pour participer à la sauvegarde des océans depuis Paris. Sea Shepherd est une ONG anti-braconnage fondée par le capitaine Paul Watson en 1977. Donc on fait essentiellement de l'intervention en mer contre les actions illégales et aussi, depuis quelques années, de plus en plus de sensibilisation du grand public. Du coup, iBucket, qu'est-ce que c'est? iBucket, c'est une association qui est présente sur tout le territoire français aujourd'hui et qui a pour but d'informer et de sensibiliser les individus vers une consommation plus responsable. Bonjour, nous sommes l'association Astrolab Expédition. Notre association, elle a pour objectif de transformer les voyages des plaisanciers à travers le monde en expéditions scientifiques. Donc, comment nous faisons ça? Nous créons des programmes de sciences participatives en collaboration avec les organismes de recherche publics pour donner l'opportunité à tous les citoyens de récolter des données vitales pour la recherche à travers tous les océans sur des programmes de sciences participatives. Bah bonjour à tous, nous on s'appelle OceanStream et on est une association qui développe un nouvel outil de communication environnementale et de financement de la transition écologique et sociale des territoires dans le but de préserver les écosystèmes coralliens à l'échelle aussi bien locale que globale. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si l'océan vous parle. On consomme du plastique parce que c'est pratique. Le problème de ça, c'est que remplacer la commodité, ça nécessite un effort de tout le monde. Peu importe le comportement environnemental et social qu'on adopte, si on est seul à le faire, ça n'a que très peu d'impact. Tu peux agir tous les jours en réfléchissant à ce que tu mets dans ton assiette. On est trop nombreux pour manger du poisson comme on le mange aujourd'hui. Les poissons font partie d'une machine qui est l'océan, qui est la première machine de régulation du climat, avant les forêts. Plus d'une inspiration sur deux qu'on prend, on la doit à la vie marine. C'est une question de survie, mais de survie directe. Le premier pas, c'est d'abord d'en avoir conscience. Il y a pas mal de points qui ont été évoqués. C'est plutôt des points à titre personnel. Comment est-ce que mon mode de consommation agit sur l'océan? Ça va être plutôt l'alimentation. Privilégier la pêche à la ligne, essayer de s'en rendre au maximum et même, si possible, éviter au maximum la consommation de poissons et de plastique. Consommer en vrac, faire ses courses en vrac, acheter chez les commerçants locaux. Acheter plutôt des produits qui n'ont pas été transformés. Prendre des emballages recyclables comme du carton ou du verre. T'as plein de gens que tu connais pas qui finalement ont un peu les mêmes convictions, qui ont un peu les mêmes envies. Et voilà, il faut agir vite, c'est à notre échelle et là, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a pas mal de solutions qui sont ressorties dans une ambiance assez conviviale, chaleureuse. Tout le monde était motivé à parler. Il y a un vrai sentiment de révolte. Et c'est vrai que je pense que c'est un vrai plus du coup de sentir un peu soutenu. Le café d'aujourd'hui, ça m'a donné encore plus envie de m'impliquer. Et c'est surtout que ça m'a fait rencontrer des gens qui ont la même ambition que moi. Et je me dis, en fait, on est vachement à vouloir faire ça. Et c'est super motivant, quoi. Donc il n'y a plus qu'à, quoi.